Bienvenue sur MTGQ. Aujourd'hui, Kaladesh Giftbox. Contient une storage box qui peut tenir jusqu'à 800 cartes. 6 diviseurs en plastique. Ici. On a 5 booster packs. Un Chief of the Fonderie avec un autre dessin. On a 20 cartes. Basic Land de Kaladesh. Sans plus tarder, on va ouvrir ça. Et voilà. On va mettre ça pour l'instant. Voici la boîte. À l'intérieur, carton. Hey. Bon, je suis tout sur-emballé. Je vais juste baisser un petit peu. Voilà. Le paquet de lames que je vais laisser emballer. La promo, pardonnez le reflet. Et voilà, comme ça. Les diviseurs. Ils sont très rigides. Après ça, on a des petits collants pour identifier. Waouh, avec toutes les séries en plus. Waouh! Ok. Ça. Quick reference guide. Et maintenant. Pardonnez-moi si la caméra bouge. Les boosters. Donc, 5 boosters de Kaladesh. Est-ce qu'on va avoir la chance d'avoir une invention? Donc, premier booster. Marionnette Master. Confiscation Coupe, puis un Dinable Tower Foil. Alors, je pense qu'avec un rare foil, on peut déjà oublier l'espoir de trouver une invention. Quoique, Metalwork Colossus. Ensuite. Oh, que ça ressemble à Nissa! Nissa Vital Force Mythique. Et un petit dernier pour la route. Madcap Experiment. Bon, une mythique, une rare foil. C'est probablement pas le meilleur rapport qualité-prix pour avoir des boosters, mais ça faisait longtemps que je trouvais que je voulais l'avoir. Je la trouvais très belle pour serrer des decks à la maison. Merci d'avoir visionné la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, commenter. Passez une bonne journée.